Yo la fois, bonjour à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombati TVa depuis Bombati Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons inviter à écouter porte-parole police nationale d'Haïti, commissaire Michel-Ange Louis-Jean. Mais avant de faire ça, équipe Bombati TVa veut remercier tout le monde qui toujours branché Bombati TV pour information pays. Et on vous remercie avec ça, toujours qui est un commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombati Police, équipe Bombati TVa, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier abonner avec Bombati TV et puis ouvrir la notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombati TVa. Avant de dérouler avec information, nous voulons une salutation spéciale pour tout abonné nous. Sous beaucoup abonnés, nous t'amendons pour embarquer. Nous pas perdre de temps, nous dérouler avec information yo, en nous. Porte-parole police nationale d'Haïti, commissaire Michel-Ange Louis-Jean annoncé création yon stricte tout neuf en dans police nationale d'Haïti qui porte non service bien-être police nationale d'Haïti SBEPNH. Et puis commissaire porte explication sur yon ensemble mesures qui prend bon rôle comme police nationale là. Ces informations ça nous porte pour nous pas perdre temps, n'a pas commencé coulier. La virus là est arrivé en Haïti depuis jeudi 19 mars, dans le plus haut niveau de l'État, il a été annoncé. Et tant que nous sommes capables de faire le tour, dans vendredi, c'était la panique généralisée. Et maintenant, la police là tourne, nous prenons des mesures, nous renforçons alors les mesures de prévention et que nous prenons. Et nous avons adopté aussi des mesures de prise en charge au cas où un policier ou bien un employé dans la police là a atteint de coronavirus. Les mesures de prévention, nous concernées d'abord par l'annulation provisoire, bien entendu, des séances de formation qui étaient prévues ni dans l'Académie nationale police là, ni dans l'école nationale police là, qui tous les deux trouvaient à frère. La police là tout, à travers toute direction départementale et à travers toute structure, tout bâtiment qui loge structure de police, direction centrale, commissariat, sous-commissariat, direction départementale, des matériels de prévention, nos capacités bouquet, clorox, masques, gants. Donc, les policiers sont capables de faire prévention parce que les policiers autour font partie de la société et d'autant plus que ont développé des rapports de proximité avec la population. Donc, c'est des mondes qui sont vulnérables par rapport à fléau ça. Donc, il est très important à ce que le commandement de la police là, prenne des dispositions pour permettre à ce que les policiers eux-mêmes protègent la tête. Et pour notre matériel qui était que nous pouvons gagner, des réquisitions faites à pire au niveau de l'État, à monde qui concerne eux, pour être capable de doter la police là, l'autre matériel, pour permettre que les policiers puissent faire face à événements ça, pour être capable de trouver eux dans les meilleures conditions de travail, pour être capable d'acquitter eux des fonctions, à savoir servir, protéger, arriver combler à tant de population en matière de sécurité. Et puisque nous partons pour une aventure, nous ne savons pas combien de temps ça a duré. Donc, il y a des préventions qui prennent encore, qui font encore. Dans le niveau académie police, il y a un atelier de couture que le commandement de la police a mis en place. Et c'est des policiers couturiers qui sont là. Et il y a travail, et depuis hier, ils ont commencé le travail. Et ils ont gagné possibilité pour confectionner pas moins de 500 masques par jour. Donc, mesure ça prend. D'abord, pour quel que soit policier, quel que soit le lieu d'affectation, pour être capable d'arriver, joindre un masque de protection et pour empêcher tout, pour ne pas en rupture de stock, pour nous capable toujours gagner en permanence. Et j'aime soutenir pour l'autre matériel qu'il y a besoin toujours, que nous pouvons connaître, alors que nous pouvons rejoindre des réquisitions déjà faites. Et nous profiter de caméras et de micros qu'il a, et dans la direction générale de la police là, que nous avons demandé pour tout policier, pour être extrêmement vigilant. C'est vrai que nous sommes là pour sécuriser, c'est vrai que nous sommes là pour protéger, mais nous ne pouvons pas arriver ni sécuriser, ni protéger, si nous-mêmes ne pas prendre des mesures pour protéger tête, pour sécuriser tête. Et mesures de prévention, ça ils étendent vers les prisons. Vers les prisons, donc qui ça la police l'a fait, ils travaillent avec autorité judiciaire. D'abord qui intervenir sous ça nous les surpopulation carcérale là. Commissaire du gouvernement de plusieurs juridictions, ils allaient dans la juridiction et garder les gens qui étaient là pour un paquet de temps qui pas passé, qui pour que jamais à le juger, qui était en attente de jugement. Donc commissaire du gouvernement, plusieurs juridictions donc ils étudient caillou, donc ils prennent des dispositions pour agir sur surpopulation carcérale là pour pas gagner trop attroupement entre les centres pénitentiaires. Mais mesures de prévention que la police prend, il ne prend pas seulement pour la police, il prend tout pour la population, puisque l'essence même de la police, là, c'est protéger la population. Et c'est comme ça, avec l'autorité qui est dans le ministère, et la police l'a accompagnée des délégations ministérielles. On est capable de parler de ministère, par exemple, commerce, et côté Noël. Il y a une pile de dispositions qui te prend pour permettre un ensemble de décisions qui te prennent pire au niveau de l'État pour que les décisions soient capables d'appliquer. Et la police là tout est accompagnée plusieurs autorités dans le ministère de la Justice. Et côté instruction était clairement passée pour ne pas gagner des attroupements et dans l'établissement de rassemblement. Et nous, malheureusement, il y a des gens qui étaient violés, interdits ça, et ils étaient arrêtés, donc ils étaient interpellés, ils ont répondu, et question autorité policière. Et à travers le pays, de jeudi 19, jour annoncé qu'on est arrivé en Haïti, à date, la police déjà interpellé 64 personnes et qui répondent question autorité policière. Et pour la plupart, il y a des qui répondent question autorité judiciaire. Donc c'est pour protéger la population, c'est empêcher grand rassemblement dans le lieu de rassemblement et aussi sur l'espace public là. Et on va pouvoir avoir des discours et pendant le week-end qui étaient ouverts. Et c'est plusieurs en pile que la police arrive fermer à travers le pays. Et dans des bâtiments d'église, il y a des pasteurs qui ont ouvert l'église, donc ils ont été posés scellés dans eux, autorités judiciaires bien sûr, accompagnées des autorités policières. Tout ça a été fait de façon que pour respecter les décisions qui étaient prises au plus haut niveau de l'État et pour permettre que la population, pour diminuer le risque pour tout possible que la population soit capable de gagner pour la maladie ça les propager. Mais nous te parlons tout des mesures de prise en charge. Et la police là, elle est dotée d'un centre hospitalier pour l'instant qui est trouvé à bon repos. Le centre hospitalier, ça a été là, plusieurs tentatives étaient faites pour être en fonction. Malheureusement, il y a des lenteurs qui fait que le pot coca rentre en fonction. Et sous le leadership, le directeur général qui est rencontré avec le chef du CSPN qui était rendu en visite dans centre hospitalier, ça, il y a des dispositions qui prend sous peu pour centre hospitalier ça ouvrir et il y a aménagé le moment où je parle là, doter de matériel, de façon que si un policier est atteint rapidement, équipe médicale de la police là, qui gagne des mounes, qui gagne plusieurs et qualifications, qui connaît le domaine ça très bien, a capable question ça en main et a capable d'adresser. Deuxième point, nous te dit que nous avons parlé de réintégration de 5 ex-policiers qui étaient révoqués dans le cadre d'événements que nous connaissons. D'entre eux, comme dit nous, mesures de réintégration sont mesures qui étaient déjà prévues par l'article 18 du manuel du personnel policier traitant de la réintégration du personnel policier. Donc c'est l'article 18 qui prévoit possibilité de réintégrer un policier quand pour une raison ou l'autre, la police a divorcé avec elle. Mais nous connaissons depuis le mouvement, ce n'est pas seulement la police là qui travaille sur des dossiers. En date du 20 février, par exemple, CSPN a recommandé une commission pour élucider l'événement qui était passé les 7, 17 et 23 février, tant à l'inspection générale qu'à la direction générale et au champ de masse. Le 24, la direction générale de la police a créé une commission de facilitation de dialogue côté où tu as rencontré avec les policiers, et comme tout le monde connaît, c'était OPC qui était joué rôle intermédiaire. Tout de suite après, CSPN t'est demandé pour te gagner des mesures de réévaluation de décision. Ça. En date du 10 mars, commission facilitation ça t'est demandé même bagaille là en mesure de révision. Et OPC, de concert avec des avocats du barreau de Port-au-Prince, d'accord, qui t'ont assisté ça au même temps, nous t'ont fait même recommandation hein, pour te réviser à la baisse cette mesure de révocation qui a été prise à l'encontre de ces 5 policiers. Et c'est en ce sens qu'il a été décidé depuis le 21 mars que ces 5 policiers sont réintégrés, pas vrai, ils retournent dans le rang de la police là. Et désormais, ils sont considérés comme des policiers à part entière qui viennent continuer by service au sein de l'institution policière. Voilà. Et merci avec tout le monde qui est branché pour te capter des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne. Et toujours songer pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.